Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'était un moment particulier pour moi chaque fois que j'interviens pour cette association. J'ai rencontré Lionel par un concours de circonstances, à la fois par le rugby déjà, parce que nous avons la passion pour le ballon ovale. Il m'a proposé d'accompagner ces jeunes et ces jeunes garçons et jeunes demoiselles que j'ai autour de moi. Je l'ai fait de gaieté de cœur. Moi, je pense que quand on a la chance, on a la possibilité d'apporter un peu de notre temps, un peu de notre attention à ceux qui en ont besoin. Je pense que c'est l'une des choses, l'une des meilleures choses qui puisse arriver. Nous vivons en ce moment dans un monde qui est en manque de repères, qui cherche ce que j'appelle l'essence de notre vie. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Pourquoi est-ce qu'on va vers l'autre? Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous différencie de celui que nous avons en face de nous? Quelquefois la culture, quelquefois les origines, des fois la pensée ou la religion. J'ai été, extrêmement touché quand je me suis rendu compte que le plus jeune de cette association a, je pense, 11 ans ou 12 ans. Ouais. Moi, à cet âge-là, je jouais au billet et je faisais du vélo. Non. Je ne pensais pas à faire des vigreniers, à gérer des foires ou des événements comme cela. Tout ceci pour vous dire à vous qui, parents, qui permettez à vos enfants de le faire, à vous, élus de la commune de Villeneuve, merci. Merci pour ce que vous faites pour mon pays, car j'ai souvent le plaisir de dire aux gens que le Cameroun m'a fait et la France m'a pas fait. Je suis un exemple d'intégration à l'Afrique, je suis en pays catalan et je suis très heureux d'être là. Merci pour tout et passez une très belle soirée. Merci.